Et salut tous les amis, c'est Vadim et aujourd'hui je retrouve sur une toute nouvelle vidéo sur Clash Royale. Alors on va vite ouvrir tous ces coffres que j'ai exprès gardés pour vous. Alors ce qui est cool, c'est qu'avec les coffres en or, on gagne pas mal de gemmes. Enfin, de temps en temps. Hop, on a déjà gagné ça, hop. On a deux boum. Piou! Attendez, j'ai encore peut-être un petit truc. Ah voilà! Cadeau pour vous, donc c'est les 10 ans de Supercell, donc comme le titre l'indique, et piou, c'est pas beau. C'était juste 10 000 pièces d'or, c'est vrai, mais c'est quand même sympa. C'est quand même sympa. Alors, dans le petit cadeau que nous on a comme on est d'immense, donc c'est pour ça. Alors, ce qu'on va demander comme carte épique pour ma squelette, parce qu'à l'époque c'était très intéressant, mais je ne sais pas si je peux demander autre chose. On peut demander squelette, go squelette. Là, s'il te plaît, non, demandez juste. Hop, donc ce que je peux vous montrer aussi. Non, pas. Pareil, ça, merci. Alors, on va améliorer vite fait une carte. Voilà, comme ça, vous voyez un petit peu tranquille. Mais c'était une carte épique que j'ai envie d'améliorer. Donc, celle que j'ai eue, voilà. Boum. Plus 800 points, c'est magnifique. Et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer notre émoticône. Avec tout simplement que je crois 10, c'est pas beau. Si c'est pas beau. Enfin, c'est pas que je crois, c'est Supercell en réalité. Hein. Hop, on ouvre quelques petits coffres, donc déjà à l'avance. En fait, ça compense ceux de la vidéo d'avant que j'ai pas ouvert. Au final, donc c'est pas mal, hein. Boum. Voilà. Vous n'avez pas la vidéo d'avant? Ici, on a. Donc voilà, alors, poum, ils vont montrer une moticône. Alors, que fait-il? Attendez. On va remettre. Voilà. Parce qu'il a un peu bugué, j'ai l'impression. Hop. Oh oui, j'ai oublié. J'ai encore un coffre ici. C'est pas beau ça. J'ai des coffres partout. Donc voilà. Et, comme vous pouvez le voir, c'est trop bien. Je le kiffe. Je kiffe cette saison. Danse des dragons. Elle est trop kiffante. Elle est trop belle. L'arène, tout est beau. C'est trop beau. Trop kiffant. Trop kiffant. Mais on ne part pas là-dedans. Pourquoi? Parce que c'est pas le thème en fait. Le thème c'est les 10 ans de Supercell. Donc voilà. Donc moi je suis assez content. Donc ça fait quand même énorme. C'est énorme 10 ans. Il y a eu très récemment World of Tanks qui a pu fêter ses 10 ans. Et maintenant Supercell, ça m'a vraiment étonné quand j'ai appris ça. J'ai envie de quoi? Comme World of Tanks? Bah dis donc. Je pensais que c'était plus jeune. Mais vraiment plus jeune. J'étais vraiment étonné. Donc c'est à dire qu'il a été créé en 2010 quoi. Étonnant. Étonnant. Enfin voilà. Vous n'avez qu'à me dire si vous êtes étonné ou pas. Ou si vous le saviez. Voilà. Donc assez content. Donc voilà, voilà. Alors, ici, on va essayer de se prendre l'élixir pour avoir un petit dragon. Alors, ah, dragon d'enfer, c'est bien. C'est clairement bien. Boum. Enfin, il est clairement mieux que le dragon de base, en fait. Déjà, enfin, là, il est moins bien, évidemment. Évidemment, quand il devait être mieux. Quand il devait. Oh, mince. Me trompe. Enfin, de toute façon, c'est l'ennemi qui l'a mis, donc c'est un peu normal qu'il mette des trucs contre. Notre dragon, bon, il a qu'à essayer de faire quelques petits points. Si ça l'amuse. Ça a quand même fait quelques points là. Oh, mais vas-y. Comment tu veux que je prédise? Donc là, je l'ai mis exprès pour qu'il touche les deux. Mais après, voilà, il l'a évidemment mis. Mais on a une troupe en plus, donc ça va. Enfin, moi, je trouve ça assez rentable. Voilà, hop, on a les trop. Hop là, ça passe, ça passe. Ding dong. Dommage. On va attendre. Bon, TK. Négatif. Parfait. Je vais dire négatif, mais si. Affirmatif. On a eu ça à son tour. Ok, c'est pas mal.
Là, on va choper avec le mini. Ou pas. Ou pas. Hop. Ouais, évidemment. Fallait s'en douter, hein. Ok. Bon, ben, on a perdu, hein, clairement. Boum. Au revoir, Dragon d'Enfer. Ah, mais d'ailleurs, on voit, en fait, je suis débile. On voit, malheureusement. Il faut le laisser comme surprise, mais on voit. Regardez, on voit l'œil du dragon en haut. Enfin, la tête, carrément, du dragon, en fait. Donc, voilà. Assez drôle. Et on voit également l'image, bien entendu, de quand je vais en combat, voilà. Que je trouve vraiment excellente. Je sais pas vous, mais moi, je la trouve chouette. Mais ils changent souvent, en fait, les images. Que ce soit, ils changent souvent. Enfin, on peut dire la miniature en quelque sorte, en fait. Donc à chaque nouvelle saison, ils mettent plus ou moins, je pense. Donc, c'est cool. On voit qu'ils sont appliqués, en tout cas. Malheureusement, Bombix, ça reste assez stable. Hein. Niveau... quand tu démarres le jeu, ça reste assez... Enfin, ça peut être bien, en fait. C'est un côté positif et un côté négatif en même temps. Parce que ça change pas et du coup voilà. Parce que ça restait quand même longtemps la dernière fois. Hein. Enfin avant que ça change maintenant. Ça a quand même resté plus le temps. Ok. On l'a rattrapé déjà. Mais il va nous avoir. C'était prévisible. Mais là, il nous a bien eu. Hein. Je sais pas pourquoi, ils ont tous des decks contre le mien. Enfin, on gagne un petit peu, mais... Compliqué, hein. Ok. Moi, je l'ai un peu eu. Hop, sorcier. Ça, c'était pas très bien de sa part. Je ne peux rien dire quand je vois ça, en fait. Hop. Alors là, il est trop censé contre son ballon. J'espère que j'aurai du temps. Ah, mais... Bon, tant pis, le sorcier va finir son invisible, donc ça va le faire. La bombe, ouais, ça va faire très mal. Vite, esprit gel. En fait, j'ai mis esprit gel comme ça. Il pourra taper la tour. Yes. Eh bien, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Hop. On va mettre ça. Ah merde, c'est pas du bon côté que je l'ai mis. Bon, après, tant pis, hein. C'est toujours cool. Double dragon d'enfer. Chaud, chaud, chaud. Hein. Boum. Boum. Allez, deuxième pécœur. Ouf. Ce qui va se prendre. Je vous le raconte pas. Il hein. Y a vraiment rien. Allez, 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 s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, quelque chose. Maintenant, il va me buter un PK. Parfait. On a la rage. Il faut tout accélérer à fond. On va voir. Ouais. C'est pas mal, on a gagné. Ouh. On a bien joué. Combat terminé. C'était un beau combat. Et on porte le dragon. Et après, c'était quoi? Boum. Et évidemment, alors, ensuite, on aura. C'était une icône qui sera disponible. Donc, vous allez voir dans la prochaine vidéo si je l'ai ou pas. Voilà, donc ce sera pour la fin de saison. Pour vous montrer ce qu'il y a eu. Donc là, je vous ai pas montré l'émoticône en combat. C'est pas bien, Vadim. Je vous ai juste montré vite fait. Alors, hop, elle est où? Elle est ici. Voilà, on va s'amuser un petit peu avec, hein, clairement. Là, on va s'amuser avec. J'espère qu'on va pas me dire comme quoi j'ai spamé, etc. Parce que c'est juste pour vous, en fait. Hop, elle est où? Voilà.
Si c'est pas parfait. Oui, il nous démonte, hein. Clairement, il nous démonte. Mais c'est du live, donc c'est bien. Et ça, on me dit pas, voilà, Valine, t'as pris les meilleurs combats, machin. Non, non, c'est tranquille, c'est en live. Voilà. Là, c'est tout même niveau. Enfin, c'est pas même niveau, vu que... Moi, ça fait longtemps que j'ai pas joué à ce niveau-là, et en plus, faut se concentrer sur la bonbonne, là. Et mon sorcier, il se concentre tout le temps dessus, et pas mon PK, donc c'est super. Également. Enfin, il est quand même passé, hein. Presque. Il était très rentable, en tout cas. Ça, c'est sûr, il était très très rentable. Il a tué pas mal de troupes ennemies, et il a même plus d'élixir, apparemment. Ouais. Ouais, par contre, dans l'enfer, trop lent. En temps, heureusement, parce que il est très très puissant. Pium. Hop. Alors là, je peux mettre le trop. Ouais, il est plus rapide. Il a été plus rapide que moi, l'adversaire. Hein. Quand c'est qu'ils ont des bonnes troupes à chaque fois? Ça, je me le demande quand même. Après, moi j'aurais. Sans prendre la troupe au centre, bah je l'ai dégommé en fait. Ah oui, clairement, il a été dégommé. Oups. Je vais pas faire ça. Je vais faire ça. Voilà. Oupsi, oupsi. Enfin, vous l'avez vu de toute façon. Boum, on a gagné. Parfait. Donc là, boum, c'est fait. Piou, et c'est déverrouillé. Donc voilà, donc moi je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un gros pouce vers le haut, etc. Ceux qui ont regardé jusqu'au bout, vous êtes les meilleurs. Comme d'habitude. Portez-vous bien, tous. Portez-vous bien, je vous souhaite le meilleur pour votre santé. Abonnez-vous si vous voulez d'autres contenus de ce genre. C'était Vadim. On se retrouve donc je ne sais pas quand. Donc pour la prochaine vidéo qui sera pour tout ça. Pour la fin de saison. Ciao ciao.